Le 1er mars est une date importante pour les Gallois, puisqu'il s'agit de la fête nationale. En effet, il célèbre le saint patron du pays de Galles, fêtant la date de sa mort. L'occasion de fêter ce jour autour de nombreuses célébrations. Kate Middleton et le prince William étaient de la partie ce mardi 1er mars. En effet, le duc et la duchesse de Cambridge ont visité une ferme caprine et sont allés à la rencontre de producteurs locaux gallois. Une escapade qui s'est poursuivie au marché où ils ont pu échanger avec de nombreux agriculteurs. Une visite très importante pour Kate Middleton et le prince William, l'importance de la communauté pour les entreprises locales est si importante, comme nous avons pu l'entendre des 3e, 4e et même 5e génération d'entreprises familiales. Ici, au marché d'Abergavenny, les produits proviennent de toute la région, y compris de la charmante ferme familiale Pant Farm que nous avons visitée plus tôt dans la journée, a déclaré le couple. Une visite champêtre pour Kate Middleton et le prince William sur Instagram, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé des photos des célébrations de la Saint-David. Ainsi, leurs fans ont pu les observer déambulant entre les étals du marché ou en train d'échanger avec la foule. Un moment agréable pour les deux tourtereaux qui vivent en ce moment des instants difficiles à Buckingham Palace. En effet, après la contamination du prince Charles, CST autour de la reine Elisabeth d'avoir contracté le Covid-19 et d'être au cœur de toutes les inquiétudes. Âgée de 95 ans, la monarque doit à tout prix se reposer pour pouvoir se rétablir le plus rapidement possible. Très récemment, le prince William et Kate Middleton ont tout de même rendu visite à la reine Elisabeth II, à Windsor. L'occasion pour l'arrière-grand-mère de voir George, Charlotte et Louis.